Betele baba kwa kasi. Merci. Hello. Tolinga tote à part des ailes. Donc ça va retarder la terre, va prendre voyage avant. Va kuta biso do soke quelques kilomètres na litea. Pour lobi, va y kola koya la tam. Yo kumba mutu. Komisala no chambe. Oya bate yo kuba na tongo pe ko misala ngonga. Oyo lisusu okotika mokomi na yo awa na makoko na ete. Azala vraiment favorable pour na yo. A bombe na yo elongi na ye te atalisa yo molamu na ye à travers maso ekoleka na awa na tina ete yozonga te motindo yo ye pe senga na ye ete diteya ya pokwa na lelo ateya yo en particulier afungola mayele boyebi abakisela yo kondima akoba na komema yo kati na kokoka à travers liloba na ye tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Kolo na biso Yesu Kristo tolobi lokumu ezo kepana yo kwete ozanzambe. Bonzambe pe botata na yo etalisami kati na biso parce que bobanda na tongo kino kokoma na ngonga oyo yo nde osali ete biso tozwa mamotindo tozali. Solo oleisi biso, olatisi biso, ozipi bolumbu na biso, okangoli biso kati na makama ndenge na ndenge oyo tokokaki komona na oyo tozangaki komona. Nde soki tokomi na ngonga oyo totondi yo molongi mpo ete yo nde olongisi biso na baruse pe manevre manegansi nyonso ya diable na baatake pe bafleshe nyonso ya monguna oyo ebandaki kosambole pendant la journée Seigneur mon Dieu mokwa mpona koluka moko na moko na biso yo permettre te yango tolobi okumisama yawe osanjola mangolo mpo ete grâce pe miséricorde na yo oyo mosali na yo atomboli mongongo ete ezala repandu likolo na biso tosukisami ete yo oyoki ozotala biso lisusu te kati na bolemu mpe botawu na biso kasi ozotala biso na se na ngulu mpe mawa na yo yango wana tozotika présence na biso na maboko na yo nkolo ete esili konyata matambe na biso kati no bisika biso tokomona boboto na yo loboko na yo na nguya o Jésus mpo ete yo nde ozalaka ntango nyonso elongo na liloba na yo mpona kokokisa yango awa yo lobi ete toya epai na yo biso me tosili kolemba mpe tomemi bikumba yo okokitisa biso yango. Merci Seigneur mpo tomoni na kati ya Bible ebele bakende epai na yo portion ya ekriture oyo ekokisama lokola mwasi azalaki na perte tusa pendant 12 ans akenda epai na yo azonga lisusu na mokumba na ye te. Lokola Bartime mokufi miso akenda epai na yo azonga lisusu na susi oyo azalaki na yango te ya kokufa miso. Lokola Yawe mwasi oyo azalaki na perte oyo azalaki na dokurbe pendant 18 ans ezala balinatique etre ezala bahidropike ezala Yawe Nzambe bamwate de naissance Seigneur Jésus même les morts bon ba même qui ba ngo e pa na yo kolo yo zo ki sa ba ngo na eta mususu wana si o restaurer vie na ba ngo ya wana po pa na le rolo sa ko na ngai za di ete ko koma na ngai awa kolo e za la bona restauration totale ya vie na ngai Seigneur e za la sur le plan physique e za la sur le plan spirituel e za la sur le plan matériel e za la sur le plan financier et sur le plan ministériel, sur tous les points, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à travers nos saisons de Kanaawa, on a bénéficié dans le bon qu'on a eu, Yanguya. Oh, Kolo, tu as été Nilobanayo, et Zali Kouya Nabiso, oh, et Zote Isamasikoyo, Yahweh, oh, le Benanga en particulier, pour la tina na koko li sabo yemi, koko li sabo liko, koko li sabo bandi, pe moto si na yo, kati na ngay, pe kome manga, kati na perfection, Jésus à travers cette même parole Nazara béni Seigneur richement colo j'avais dans mon na siècle oyo pe na siècle présent il oba oyo et bon qui ça Yahweh à venir na ngai pointe na mon royaume na yo oku misama o sancho la makolo pointe on doit utiliser puissamment mon mosali na o selo qui est écrit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part
et dans les derniers jours, personne ne dira plus à son concitoyen qu'on est Dieu, car tout sera enseigné par toi-même. Yo le ote a biso kolo zame la bomoy, pour être bon moi na biso e bonga. Le bon dernier mouka tina bon dima. Na kombo na Yesu Christo lobi. Amen. Amen. Vous mettez sous la parole, maman, pour ma grâce. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Voilà, tout le monde ici. Moté inabiso, y'a mikoloyo, pena mambongo likota, baya moté abiso. Amen. Que la paix de Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Amen. Jésus-Christ a salé la yombola. Amen. Que tu fasses du bien. Dans le culte d'aujourd'hui. Et à la soumission à l'écambos en amont à mon témoignage. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ s'élève pour défendre ta cause. Parce que tu n'es pas venu vers un homme, mais tu es venu vers lui qui a une solution à tous les problèmes. Il ne rejette pas tout celui qui vient à lui. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom est au-dessus de tout. Aucun nom ne pourrait se mesurer à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, les noms que nous devons redouter, les noms devant lesquels tout genou doit fléchir, le nom de Jésus-Christ. Il est vainqueur. Et il a pris cette victoire et te l'a donnée. Il a donné à l'Église. Et c'est ça notre joie. Sache que tu es un grand vainqueur. Quelles que soient les situations, et ça va, Makambo. Makambo, sache que tu es dans la victoire. Il faut avoir cette confiance-là à l'égard du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Le 17 novembre 2021. Le 17 novembre 2021. Nous continuons notre enseignement sur les sept sceaux. Nous avons le cinquième sceau. Et nous sommes dans le cinquième sceau déjà. Nous et nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Pasteur, ce n'est pas Kalokola qu'on est bon là. Et le pasteur va nous aider avec la traduction en lingala. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Dobangina verset 9e. Commençons à partir du verset 9. Et na 11e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au verset 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Et à cause de témoignages qu'ils avaient rendus. Ils crièrent d'une voix forte en disant, Bazalaki koganga na mungongo makasi na kolobaka, jusqu'à quand, kino tango nini, maître saint et véritable, d'abord tu as jugé et attiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Quand
Une robe blanche lui fit donner chacun à chacun d'eux. Et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères. Qui devait être mis à mort comme eux. Que Dieu bénisse les lectures. Nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ. Je suis persuadé que le Seigneur nous assiste. Je suis tellement dans une joie débordée. Parce que Zambé a zoté à l'issue. Oui, c'est le Seigneur qui nous enseigne. Dans tous les enseignements, nous nous rabaissons pour n'élever que Jésus-Christ. Parce qu'il est dans un enseignant. Parce que c'est lui qui est le véritable enseignant. Nous disons l'honneur à lui en tout ce qu'il est en train de faire. Donc nous lui rendons honneur en toutes choses. Lorsque nous avions commencé sur le cinquième saut, première chose que tu as connue d'abord, la première chose que nous avons apprise avant ton côté vraiment na katia et le moko na moko isana kati, avant que nous touchions point par point dans le cinquième saut, on avait d'abord appris ce que c'est le chant au pluriel. On avait montré dans Jean 4. On t'a dit à partir du verset 36. À partir du verset 36, qu'on a le Seigneur à l'obi à Tindaki, ma disciple pas qui n'est qu'au moissonné dans Bilanga Oyo Bango Balona Kite. Là-bas, le Seigneur avait dit à ses disciples d'aller, qu'ils leur avaient envoyé d'aller moissonner dans les champs où ils n'avaient pas travaillé. On avait vu encore un autre témoignage dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12. Là-bas, on a vu les disciples arracher de la main les épis de blé. Dans le champ au pluriel, beaucoup de champs. Et dans ces champs-là, Jésus traversait. On avait montré ces champs-là. Ces champs-là représentent tout le prophète de l'Ancien Testament. Moïse, c'est comme un champ. Josué un chant. Samuel un chant. Daniel un chant. Donc toutes leurs prophéties sont de chants. Où il faut que le ministre ou les serviteurs dans l'alliance d'aujourd'hui puissent y entrer pour mieux prêcher la parole. Après, on était allé montrer ceci. On avait dit que dans tous les champs en Israël, les seigneurs avaient donné la loi de prélever le prémisse du champ avant la grande moisson. Et on avait montré ceci. Là, tu vois qu'il est Lévitique 23. Là, on avait pris Lévitique 23. Nous pensons que verset 10 et 11. Le verset 10 à 11. Wana italisa que ceux qui bilanga Israël, na Israël. Là, on montre aussi en Israël, il y a les champs. Avant pas pourquoi bilanga nyonso. Avant qu'on fasse la grande moisson. Bazouaka ndambo ya mbuma. On doit d'abord prélever la gerbe, le prémisse. Kombona mo babenga mo prémisse. Et on l'appelle mbuma ya yambo.
C'est pourquoi l'on avait dit. Dans l'ancienne alliance, on amenait ces prémices ou cette gerbe dans le temple devant les sacrificateurs. Et on avait montré temple le temple qui était sur la terre. Les sacrificateurs qui prenaient la gerbe des prémices là-bas. Il est le signe de l'Éternel là-bas dans les cieux véritables. Et les temples, les tabernacles. Et les temples ou les tabernacles. C'est dans les cieux véritables. C'est pourquoi nous pourrions lire une autre écriture dans Hébreux 9. Parce que ma texte n'y a surtout pas la force sur la yango. Parce que tu dois comprendre tous ces textes dont nous prenons. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 11 à 12, il y a Hébreux 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Parce que Christ a été le Nzambe, mon ennemi, ya makambabula mu isengela kia. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Ye akatisa ki mongombo ele ki monene pe zali e kokabe koleka. Qui n'est pas construit de main d'homme. Oui, tondama na loboko motote. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des taureaux, des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tobakisi, verset 24 à 25, toujours Hébreux 9. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Oui, Christ a côté. En imitation du véritable. Mais il est entré dans les ciels même. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Au moins, entrer dans les ciels. Donc, entrer dans les ciels, dans verset 11. Au verset 11, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles. Donc, on l'a appelé le tabernacle plus grand. Donc, le ciel est un tabernacle. Donc, le ciel, c'est tout un tabernacle. Donc, le lege oyonase, la manière dont sur la terre, bazalaki comme ma prémisse, na temple, on a porté la gerbe des prémices dans les temples. En réalité, na katia bosolo, il faut. Il est le véritable temple, c'est le ciel même. Dans la réalité, il faut qu'une gerbe des prémices soit présentée là-bas au ciel, parce que le véritable tabernacle, c'est le ciel. Mais tout ce qui est écriture, mais on avait pris une écriture. Il y a Jean 3:13. Jésus à l'oba. Jésus avait dit. Personne n'est monté au ciel. Monte mon côté à Mata Makolo. Du temps où il marchait avant sa mort, personne n'est monté au ciel. Mon côté a dit qu'à la comate. Pourquoi il avait dit cela? Parce qu'il ne pouvait pas accepter que Enoch soit le prémisse là-bas dans le ciel. Ou Eli soit le prémisse là-bas dans le ciel. Jean 3, verset 13, il a dit personne. C'est pourquoi dans Jean 3, 13, il a dit personne n'est monté. Il y a un écriture, il y a 1 Corinthiens 15, verset 20. C'est pourquoi on avait donné l'écriture de 1 Corinthiens 15, le verset 20. Pour la tout le monde, la prémisse. Là où nous allons voir ces prémices. Tout en bas, 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, le verset 20. Tout en bas, la combo de Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Si Christ toi c'est quoi Katinamawa? Il est les prémices de ceux qui sont morts. Mbuma ya yango ya ba enyon soba kufa. Comment dit prémices? Voyez le prémices de Christ. Isaïe sous Christ au yémoko. Or, tant que vous avez prémices, or lorsqu'on prélève la gerbe des prémices, ils ont la peau indimisa et la c'est pour faire en sorte que tous les champs soient agréés de Dieu.
Nous nous faisons bien comprendre. Que je prenne l'exemple dans la vie courante. Tu vas acheter le maïs au port. Tu as besoin d'acheter 3 sacs de maïs. Et on établit là-bas, on met les sacs de maïs. Est-ce que vous faites un sac et nous allons contrôler? Est-ce que tu vas contrôler chaque graine dans les sacs de maïs? Tu vas prélever une portion. Donc si tu agrées la portion que tu as prélevée, et toi-même tu t'es dit, ce maïs est de bonne qualité. Donc ce que tu as prélevé a fait agréer tout le sac et ce qui reste. Nous nous faisons bien comprendre ce qui concerne le prémisse. C'est la même manière Jésus-Christ qui a été reçu au ciel. Nous aussi ensemble nous avons été reçus. C'est ça l'engagement prémisse. Il y a bonne l'obéiamoumayambo. Nous ne sommes pas des saints en réalité. Mon saint est Jésus. Le saint c'est lui-même Jésus-Christ. Maintenant comme Dieu l'a reçu comme un saint, c'est fini ton corps va saint. Et c'est fini, nous aussi nous sommes saints. C'est ça. Yambo nde. Celui qui est reçu là-bas, il nous a rendu nous tous vainqueurs, agréables à Dieu. C'est ça la Bible. Il y a encore des Bibliens. Il y a un moni bato pas comprendre kate mon saint. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas ce qui est un saint. Et ça, moi, au Christ a couvert. C'est celui avec qui Christ était mort et ressuscité ensemble. Et l'a caché dans les lieux célestes. C'est qu'à sanctifier. C'est-à-dire Christ l'a sanctifié. Les lois aient copé ça y est. La parole. Et aujourd'hui Christ est venu lui donner la parole. Et parole on en est sanctifié. Et c'est cette parole qu'il a mise à part. Et tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous se moulis sami na linoba pe na lo sambo. Maintenant, na zongi na likambo na zolo ba ke. Maintenant, je reprends dans ce que je disais que tous ces chants sont des prophètes. Ba bilanga wana nyonso ezali ba sakoli. Jésus-Christ aussi, Yesu Christ au pe, ayaki comme dans ces champs. Il était présent. Il était venu dans ces champs, il y était même présent. C'est ça tout à l'heure que Matthieu 12, verset 1er. C'est ça Matthieu 12, le verset 1er que nous avions lu. Lui, il fut reçu là-bas comme la gerbe des prémices. Et l'ingoloba, cela veut dire a justifié champ. Donc il a justifié tous ces champs-là. Il faut que Moïse a couffé la mission. Tu dois savoir que Moïse était mort pécheur. Aaron a couffé la mission. Aaron aussi était mort pécheur. Nazuinda kisaga kana noana. Je prends d'abord cet exemple là. Moïse a couffé mon sang tout. Moïse n'était pas mort saint. Il était mort avec un péché. Aaron a couffé la mission. Et son frère Aaron aussi. Mais prémisse à Christ de justifié. Mais c'est le prémisse qui sont Christ qui l'ont justifié. Nazir, Deutéronome. Je prends Deutéronome. Verset, chapitre 32. Chapitre 32. Na verset 50. Deutéronome 32, verset 50. Deutéronome 32. Dina 52, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 32. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Yo okokufaka na ngomba oyo yozo mata. Wana zambe azoyebisa Moïse. Moïse mena zo rapportere yango peuple. Et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Peyo kokundama pemeni alibota na. Comme Aaron. Ton frère est mort sur la montagne de Or.
Kolangomba ya or et a été recueilli auprès de son peuple. Pe akundama ki pembeni ya libota na ye. Na komi na verset 51 ya Deutéronome 32. Parce que vous avez péché contre moi. Ou ete bino bo soumouka ki bousso nangay. Au milieu des enfants d'Israël. Tikati abana Israël. Près des eaux de Meriba. Mena ba maya mi. A Kadesh. Namboka Kadesh. Dans les déserts de Tine. Na lisobe ya Tine. Et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Et bino bo boulissa ki kombo nangay ite katikati abana Israël. Qui verra le pays devant toi? Mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que tu as péché. Aujourd'hui, témoignage nous sommes dans nombre 20. Prenons notre témoignage dans nombre 20. Azo continue encore. Moïse, Aaron sont morts dans le péché. Moïse et Aaron sont morts dans le péché. Na le salaire du péché, c'est la mort. Les foutis, y a les soumis à l'Iwa. Mais Baza sauvé. Kasi ba babika pe bako bikaka. Erwana zambé a tikala ekolobe la vie éternelle. En ce temps-là, Dieu n'avait pas encore parlé de la vie éternelle, des choses célestes. Nombre 20. Nombre 20. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron. Verset 12 en nombre 20. Parce que vous n'avez pas crié à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Voilà, on attaque le verset 12e et en nombre 20. Là, j'ai lu le verset 12. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Bino bokoko tisani sanga oyote na mboka ona zopesa bino na pesie. Pourquoi Aaron et Moïse bakot à terre? Pourquoi Aaron et Moïse n'entreront pas? Yali, vous n'avez pas crié. O bino bundimi te. C'est Dieu qui dit ça. Zamende à l'obi. Na, na zo tali saboyege. Je montre ceci. Na tawa na promesse zaraki, la terre promise. En ce temps-là, la promesse c'était la terre physique qui était promise à Abraham. Otositende ou rate kokota mabilion. Si tu désobéis, tu vas rater aussi l'entrée dans cette terre. Ce n'est pas la vie éternelle. Et zaraki bon moya se kote na makolo. Tselophas, il est mort à cause de son péché. Tselophas, il est mort à cause de son péché. Dans Nombre toujours 27. Toujours dans Nombre 27. L'écriture est le béboy. L'écriture dit ceci. À partir du verset 1er. Les filles de Tselophas. Bana ya basi ya Tselof. Fils de Fé, mwana mobali ya Fé. Fils de Galat, mwana ya Galat. Fils de Maki, mwana mobali ya Maki. Fils de Manassé, mwana Manassé. De famille de Manassé, ya mabota ya Manassé. Fils de Joseph, mwana mobali ya Joseph. Et dont le nom était Mashla, et oyo bakombo ezalaki Mashla. Noah, Ogla, Milka et Tirta. Noah, Ogla, Milka et Tirta. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Bana basiwana bapusana ki pe basalisa maki liboso na Mose. Na komi na verset 2e en nombre 27. Devant le sacrificateur Eliezer. Liboso ya nganga nzambe Eliezer. Wana Aaron si akufaki. Là Aaron était déjà mort. Et devant les princes de toute l'assemblée. Pe liboso ya Baba koti pe ya lisanga mobimba. À l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. De l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Parce qu'il a
Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché des milliers de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse parla la cause devant, portant la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Télophage ont raison. Il leur donnera un héritage, une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Dans un texte, on a pas entendu ça. J'ai pris ce texte pour montrer papa a confiné les sous-mopés. Ses pères, ses papas, ses loutas étaient morts aussi pécheurs. Quand ça t'est qu'en enfer. Ne pense pas qu'il ira en enfer. Non. Non, bien aimé. On a l'air ou on a. La vie éternelle est fort magnifique. Parce qu'en ces temps-là, la vie éternelle n'était pas encore accessible. Il faut dans la Bible, la Bible l'oublie. Il faut lire la Bible telle qu'elle dit. Comme il m'a dit, et vous donnez qu'ils amènent la sagesse. Ne paraît pas encore plus sage que Dieu lui-même. Ce qui déjà si déjà quelqu'un dans sa manière de vivre dans le passé, il serait plus important que Jésus vienne encore sur la terre. Amen. Tous sauvés en Christ. Ils sont tous en Christ. Même les gens où ils ont été enfants, donc tous les prophètes. À table, ça connaît qu'il y a un lorsqu'on prélève la gerbe des prémices, dans cette gerbe, Moïse se retrouve. Jérémie se retrouve aussi. Daniel. Habakkuk. Pour preuve, tous les prophètes. Pour preuve, Matthieu 27 dit, à partir du verset 50, à partir du verset 53. 53. Tant que le Seigneur a rendu l'âme en 52 à 53. Lorsque le Seigneur rendit l'âme, tombeau et fumoi. Les sépulcres des saints s'ouvrirent. Là, ce n'était pas des tombeaux spirituels. C'était des gens qui avaient vécu sous le soleil. Donc qui étaient morts. Mais Mazaki retenu par la mort. C'est ça Matthieu 27. C'est Matthieu chapitre 27. Totaïka verset 52 dans 53. Lisons le verset 52-53. Parce que tous les éléments que nous prenons, nous allons les utiliser dans le cinquième saut. Parce que nous avons le cinquième saut. Parce que nous voyons les armes du cinquième saut. Bazana ba robe blanche. Ils ont des robes blanches. Maintenant, on aura aussi la manière de le montrer. Ceux qui nous avons sali sont grâce les loyaux. Si le Seigneur nous fait grâce seulement aujourd'hui. Et nous reprendrons aussi notre élément sur la vengeance. On m'a dit Matthieu 27. Vous voyez Matthieu 27. Tant que Christ a rendu l'âme à partir du verset 50. Lorsque Christ rend l'âme à partir du verset 50. Donc il est dit dans verset 53. C'est mieux tout le monde au nom de Jésus Christ. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme l'esprit. Yesu a kata ki lisusu makasi pe akufa ki. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas.
La terre trembla, les rochers se fendirent. Wana verset 51, Matthieu 27. Et Talisaka, Agé 2, verset 6 à 7. Cela parle d'Agé 2, le verset 26 à 27. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Ok, on a comme le verset 52 maintenant. Il y a Matthieu 27. Les sépulcres s'ouvrirent. Bakunda et Fumwa Maki. Et plusieurs corps des saints. Qui étaient morts. Oyo et Koufaka. Ressuscitèrent. Et Songa qui n'a pas mouru. Nous nous faisons bien comprendre. Là, ce sont des saints Oyo Bazaba juifs. Là, ce sont des saints qui sont des juifs. Parce que Bangone Bazaki n'a parole. C'est quelqu'un qui avait la parole de Dieu dans toute, sur toute la terre. Ils sont saints, mais morts au péché. Bazali Bassan Tukasiba, pourquoi qu'il voulait dire ça? Parce que Moutoumokota l'homme a dit Soumoukala Jésus. Parce que personne n'avait vaincu le péché sauf Jésus-Christ. Les tombeaux s'ouvrirent. Et parmi eux sont des prophètes. Pourquoi ils ont ça? Pourquoi les choses se passent ainsi? Parce que prémisse le col et vous allez présenter. Il faut y créer aussi Batombo. Comme les prémices seront présentées, on doit aussi les sera. Sera présenté, les restes du champ doivent être créés. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparirent à un grand nombre de personnes. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Donc, leur résurrection. Ils ont dit que l'œuvre et la croix et ça ne dit pas na kati na bango. Cela représente que l'œuvre de la croix est aussi accomplie dans leur vie. Baza gracié. Bazwingolou. Et Dieu bénisse. Amen. Baza gracié. Ils sont graciés. Donc, Nakatia Israël. Donc, tous les saints qui étaient en Israël, ceux qui étaient appelés par Dieu. Parce que Hébreux 9, 15, parce que Hébreux 9, 15 dit ceci. Hébreux 9, verset 15. Ils ont un verset, vous êtes dans la Bible. Il y a d'autres versets dans la Bible. Moutouka va prendre la position à son mot écriture. Il refuse l'écriture à cause de sa position. On sent pas voir l'écriture. Un saint ne refuse pas l'écriture. Ce qui va présenter mon sang pour écriture. Si on présente une écriture à un saint, écriture sainte, une écriture sainte, à se prosterner devant l'écriture. Il se prosterne devant l'écriture. Osu Hébreux 9, Hébreux verset 15. Natangiamo. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Yamoana Zali, mon mémi, ya Boyokani Asika. Afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions. Oui, Liwa Oyeya qui po esiko la bama peigno sur Salama. Commise sous la première alliance. Oui, Salama Nasia Boyokani Aliboso. Donc la mort de Jésus, donc telle qu'elle était accomplie, et l'imbissina batoyo, bakufaki na lisumu po babukaki mobeko, avait même pardonné ceux-là qui étaient morts sous les péchés parce qu'ils avaient transgressé la loi dans l'ancienne alliance. Nakati na bango Moïse. Et parmi eux, il y a le prophète Moïse. Aaron. Papa, tu le fâches. Bah, qui sa liste? Même sa liste. Toujours dans la maman. Amen. Afin que la mort
étant intervenu pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ce qui ont été appelés. Donc, na kati na bango, il y a ceux qui ont été appelés. Donc, parmi eux, il y a les appelés. Reçoivent l'héritage éternel. Baswa libula na bango ya seko. Qui leur a été promis. Oui, pesa melaka bango ya ka. Donc, tant que Christ a couffé. Lorsque Christ est mort, a béni aussi bato bazali na batombo. Il a appelé aussi ceux qui étaient déjà morts depuis longtemps. La même manière, il avait appelé aussi Lazare de sortir. Ces jours-là, bien-aimé, lorsqu'il est mort, il a appelé ceux-là qui étaient liés par la mort. Et Pierre a moni plus. Et Pierre a vu encore davantage. Il dit dans 1 Pierre 3, alors, Christ est mort quand à la chair. Christ a couffané dans soumis. Quant à l'esprit, il est allé prêcher bateau parce qu'il est incrédule. A quel âge il comptait à bateau et au bazar qui montait mes quinze. N'allez à Noé. N'attends pas ma soeur à Noé. Bonne année. Pourquoi? Noé était la vie éternelle. Parce que Noé n'avait pas prêché la vie éternelle. Tu penses que si quelqu'un avait raté l'arche du temps de Noé, il va en faire le temps. Tu as mal prêché. Parce qu'en ce temps-là, les ciels n'étaient pas encore ouverts. Nathan, en ce temps-là, ma fils de Dieu, il y avait d'autres fils de Dieu qui n'avaient pas cru en Noé. Fils de Dieu. Mais on les appelait Bananzambe. Fils que les filles des hommes étaient belles. Ma mona était Banabato Basala qui toko. C'était les fils de Dieu qui ont commis des péchés. Et ça, Bananzambe de Basala qui les souffrent. Moïse a comment fils de Dieu. Et Pierre, lorsqu'il a vu que Moïse a comment bana ya nzambe. Adam a raté l'arche. Même s'ils avaient raté l'arche de Noé, il faut pas sauver. Il faut qu'ils soient sauvés par Jésus-Christ. La semence de Dieu vous garde. Boto ya nzambe ni mwakate. Donc bango baza parmi ceux qui ont été appelés. Donc ils sont parmi les appelés qui avaient désobéi. Parce que beaucoup de gens ont été trompés par les études théologiques. Vraiment, mon tout, sans Jésus, à la vie éternelle. Sans Jésus, comment avoir la vie éternelle? Voilà, on sait qu'ici, valère, tout homme bien-aimé. Il y a quand même Tite, d'abord, il y a un Pierre 3. Ces choses sont des troubles chez d'autres personnes. Mais c'est une écriture dans la Bible qu'il tient à la main. Deux anges. Tite, chapitre 2, verset 11. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu. Source de salut. Pour tous les hommes. Même Moïse qui avait péché. Grâce de Dieu, Isaraki, source de salut. La grâce de Dieu est la source de salut. A été manifestée. Yango étali sa magie. Amen. Source de salut pour tous les hommes. Donc, à part la grâce de Dieu qui est Christ. À part la grâce de Dieu qui est Jésus. Il n'y a point de salut quelque part d'autre. La parole qui était prêchée en ces temps-là. C'était afin que tu obéisses et que tu prolonge tes jours dans la terre promise. Amen. Obéir pour avoir la supériorité sur les nations de la terre. Donc, obéir pour recevoir les sépulcres à la fin de ta vie. Donc, avoir les sépulcres, c'était une promesse à Israël.
C'est pourquoi les enfants d'Israël avaient pleuré devant la mer. Pourquoi ils avaient pleuré? Parce qu'ils se voyaient déjà manquer de ce culte. C'était une malédiction. N'y avait-il pas de sépulcre là-bas en Égypte? Pour que nous venions mourir ici. Manquer de sépulcre, les amis. Une malédiction. Manquer les sépulcres en Israël était une malédiction. Nous ne pouvons pas mourir dans cet état. Moïse. Il faut que nous ayons des sépulcres. Sépulcre est une promesse. Les sépulcres étaient une promesse en Israël. Même roi. Attends, au côté. À côté, ça vient la lettre. Il y a Moïse, il y a loi. Il va bien observer les lettres ou la loi de Moïse. Pour qu'il soit enterré avec ses pères et David. C'est comme ça l'écriture. Il y a un comité. S'il n'obéit pas, il ne sera pas enterré auprès de David, son père. C'est comme ça l'écriture. Il y a un comité. Celui qui a amené la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui a ouvert la porte du ciel. C'est Christ Jésus. Christ Jésus Kaka. Deutéronome 32. Soucieux et nions ces années. Oye, ma témoigner l'écriture de Yahweh Isaac. Que tu saches témoigner l'écriture telle qu'elle est. Donc, ils sont dans Deutéronome 32. Dans Deutéronome 32, toujours remarqué. Qu'est-ce que nous remarquons dans Deutéronome 32? Le Seigneur a joué par Moïse. Le Seigneur dit ça. Par Moïse. Dans cela, la Moïse. Dans le verset 44. Le verset 44. Dit le verset 47. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 32. Moïse vint. Et prononçant toutes les paroles de ces cantiques en présence du peuple. Joseph, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse y achevait de prononcer toutes ces paroles, devant tout Israël, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. La parole de Dieu. Ce n'est pas une chose sans importance, frère. Ça là, il faut recommander tes enfants. Il faut faire un effort de recommander à tes enfants. Notre loi. De savoir notre loi. On s'en a une fille. Tu as une fille à la maison. Apprends-lui à bien s'habiller depuis le bas âge. Il ne faut pas lui percer les oreilles. Il faut donner de la valeur à la parole de Dieu. Il faut avoir la fierté, ni tout doux. Donc c'est l'aveugle qui ne comprendra pas ce qu'on fait ici. Mais nous savons que nous avons la vie. C'est elle est avec nous cette vie. La vie. Comme Jean avait vu, c'est que vous avez attendu dès le commencement. Ce qui était depuis le commencement, nous avons contemplé ce qui concerne la vie. Alors nous avons touché la vie. On a touché la vie. La
vie a marché sur la terre. Pour moi, il t'a là dans ma vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, tant que tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Lorsque nous parlons de ces choses, tout ce qui reste là, au-dessus de ça. Jésus-Christ en avant et tout derrière. Même si je suis seul, je suivrai Jésus-Christ. Hein? Derrière Jésus-Christ en avant. Il faut sentir que c'est une joie de servir. Il faut les ressentir dans ton cœur. On ne puisse pas te pousser comme une machine. Donc je suis dans la joie quand on médite. Donc il rencontre sept. La recette rencontre. Ils ont donné Isaïe joie. Il fait déborder de joie. À côté que il va tout abandonner. Mais quand on constate l'analyse roi. Essaye seulement de faire une analyse. Azana va dossier pour résoudre. Il a des dossiers qu'il doit résoudre. Azana va visiter Abaka. Il a des visites. Azana va problème. Il a des problèmes. Quand on analyse la roi, Azana. Regarde d'abord les occupations. Mais quand on médite. Mais quand on base Isaïe. Il abandonne tout pour monter. A dit qu'il n'y a sauvé à quel ensemble. Aïe, dit que Père Mazana Moïse. Il connaît que le souffle qu'il a, c'est Dieu. Aïe, dit que son enfant de Macas, c'est Dieu. Il sait que s'il a bonne santé, c'est Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu, frère. Non. Toya, Tosanga Bilaba. Nous étions venus nus. Non, en venant sur la terre, tout ce que nous avions reçu, c'est le Seigneur qui nous les a donnés. Il faut que nous sachions comment l'honorer. Dans nos maisons, d'abord, le Seigneur. Dans la qu'on a dit, son nous les Seigneur. Apprenons à nos enfants, à nos familles, le Seigneur Jésus. La parole est dominée. L'inoba est ton doigt et contre la bande qu'on a mis sur. Sans parler du fait de l'écriture, le fait de l'éternité de Dieu. Salakolo azala bisengonayo. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais à couper ça, y'a un autre manière d'aller n'a pas séparé la besoin. Mouton besoin ça n'a besoin soit l'eau. Il y a une autre personne qui a besoin de recevoir quelque chose. Mais mouton mon besoin quoi ça garde. Mais c'est lui qui va te la donner, c'est bien. C'est seul. Mais tu ne lui obéis pas. Il va résoudre mes problèmes. Lui qui va résoudre tes problèmes. Mais vous considérez. Mais tu ne le considères pas, bien-aimé. Il faut vraiment tout qui t'en a pas tout à moi. Il faut vraiment que nous nous ramassions que Dieu. C'est ça la dynamique. Dans ton langage, dans ta manière de vivre, ce que le Seigneur recommande, ça là, à pratique-le. Lorsque Moïse les exhortait à la fin, tu lui as dit, toi je vais te punir. Mais Moïse n'a prêché que la parole de Dieu. C'est ce qu'ils ont marqué là, le Seigneur. Mais marque cette manière-là de Moïse. Même si le Seigneur dit quelque chose de dur, attache-toi toujours. C'est lui l'ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Dans le sépulcre. Attends-moi si tu as un coup de fou. Même si tu vois papa pleurer quand sa femme meurt, il faut seulement le toucher. Il ne va pas entrer pour suivre sa femme. Si vous mettez seulement la prière, il ne voudra pas rester là avec sa femme. Pour montrer que c'est seulement Dieu qui restera avec sa femme dans le cimetière. C'est Dieu qui va lui donner le repos. C'est lui l'ami fidèle, frère. Ce qui m'a suivi, ma solo nangaï. Si on prend ma bêtise en mon carrefour et mes erreurs, on les publie, on les divulgue. Tout le monde va me rejeter. Mais Jésus va m'acquérir, frère. Non, non, faut.
Il faut qu'on va vous considérer. Il faut savoir considérer cet homme-là de Jésus. Cette femme au bacanier en flagrant délit. Moi si au bacana et pétage au sale combo. La loi est au mérité qu'à pouvoir. La loi disait qu'elle méritait la. Elle savait quoi. Parce que la loi elle dit ce qui moutou. À quoi une infraction? Parce que la loi dit si quelqu'un tombe dans l'infraction. Donc je vais dire que à sali erreur. Donc s'il commet par exemple une erreur. Ou bien à moni des conaïens. Ou bien il tue son frère. En travaillant. S'il est très rapide. Et qu'il vous la main parce que la loi elle dit aïe pour aïe. Donc parce que la loi dit lisso. Na liso. Donc s'il avait tué, vous pouvez aussi le tuer. Mais vous qui le soyez à la vitesse, s'il est très rapide que vous, il arrive dans la vie de Dieu directement, aussi, vous n'allez plus le toucher. Ah, la sécurité, il est là. Même s'il venait de commettre le mal, ancien vous protège. L'ancien le protège à la vie de Dieu. Même si tu es là, il avait tué. On a baillé ici. On a baillé ici. Même si la vie est là, les enfants la vie. Mais quand c'est la vie de la vie, tu ne mourras jamais. Maintenant, ils avaient commis. Ils ont amené un pécheur dans la ville de la vie. Avec les pierres à la main. Moi, si on a été condamné. Mais on l'a amené chez la ville de refuge qui est Jésus-Christ. Oh Jésus sonne le cœur de l'air. Yesu eba kamisi no mitema ya bato. Loi et lobby. La loi dit. Oyo netike. Oyo ayoka ki kambwana ni boso. Et celui qui avait entendu cette. Oyo akaka ki na kaza ni kambwana. Celui qui l'avait attrapé en flagrant délit. Toi j'étais le premier à pied. A bambaye li banga pe moto ni boso. Maintenant Jésus savait. Celui qui accusait l'autre. Il est mon grand bandit. Lui-même est grand de plus. Jésus sort de la guerre. Jésus le savait très bien. Maintenant, à lui, il dit, oyo, oyo. C'est lui. Lazare les sonté. Qui n'a pas de péché. Oui, Lazare les sonté. C'est lui qui n'a jamais péché. La première, la pierre. Lance la première pierre contre cette femme. Je vous dis par rapport à la loi. Par rapport à la loi. Donc, tous qui avaient des pierres. Il avait regardé celui qui était venu accuser celui qui l'avait attrapé. Parce que selon la loi, il est pas bon. Selon la loi, c'est lui qui doit commencer. Mais Jésus a dit. Son qui a zana, azan saint. Qu'il commence par lancer la pierre. Banda. Il savait la loi. Frère. Et lui-même qui a accusé l'autre. Lui-même un grand impudique. Lui-même il a commencé d'abord par jeter la pierre. C'est qu'il décourageait tout le monde était découragé, même toi. Et tous ont jeté aussi leurs pierres. Parce que la loi elle dit. Parce que la loi dit. Ce qui n'est dit. Moi, je n'ai pas fini sa paix. Si par exemple, ton fils a blasphémé le nom de l'Éternel. Il y a un cas où vous ne fondez pas l'ancien. Il y a un cas où tu viens l'accuser chez les anciens. C'est toi qui dois commencer le premier à lui jeter la pierre. Donc, dans une infraction, non, ceux-là qui ont attrapé en flagrant délit, c'est eux qui vont témoigner le premier. Mais il n'était pas parvenu. Pour montrer la loi en renfermé, tout le monde a des péchés. Mon bébé, quand on a sokati na bisumbu. Tout ce que nous disons, même si tu pourrais être à la maison, aux attentes, aux autres, à la lecture, il y a Bible, même Matthieu, même Marc,
même livre Jonas ensemble nabana. Tu peux faire la lecture des livres des prophètes ensemble avec tes enfants. Cette ambiance là, ça l'ouïngé wane ya makambo nzambe. Moi na mesali mingi na télévision, la fait trop pas sur la télévision, il connaît des émissions. Donc ça évolue selon le monde. Il est face selon bien. Kola kisa nzambe te. Donc aye ni que héros et la tête des animés. Lui connaît à 7 heures ici c'est tête des animés. Mais il connaît vraiment l'histoire. Mais il a le baptême de son nom que baptême est au nom de Jésus. Mais toi tu ne lui as jamais dit que le baptême c'est au nom de Jésus. Ok, je t'aime mon colo. T'es à faire un monde qui non. Il est petit. Mais il est petit, mais il connaît toutes les histoires de dessins. Il peut même te les raconter aisément. Mais ça va me mettre là. Pourquoi ils ont mis les mains dans ma zambe? Pourquoi toi tu ne lui racontes pas les choses de Dieu? Pour la facilité, mais à combien ma solo. Pour qu'il ait aussi la facilité de les raconter aussi. Et c'est ce que Moïse a Zoloba. Yangonde Moïse Azalina Koloba. Alobi, il dit dans verset 47. Verset 47. Car ce n'est pas une chose sans importance. Oui, des malobawane en zambe zalite lo que zana motuya pour la dino. C'est votre vie. Et ça n'est pas Moïna Bino. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans les pays dont vous aurez la possession. Oui, et zalite na malobawane de boko. Après avoir passé les Jordans, donc c'était par rapport à la terre que vous allez prendre. C'était par rapport à la terre que vous allez prendre. Et observer la loi Israël. Là-bas qu'il y aura l'observation de la loi. Moïse a dit que non, tant que vous aurez la vie éternelle, vous aurez la vie éternelle, vous serez enlevé. Oui, je n'avais pas prêché. En ce temps-là, le ciel était fermé. Même si tu vois Élie et Enoch monter au ciel, Jésus a eu le but personne. Parce que le ciel était fermé, bien-aimé. Voilà le témoignage de Jésus dans Jean 3:13. Là, le témoignage de Jésus lui-même dans Jean 3:13. Maintenant, tout temps qu'il y en a un bien trois, dans un bon apôtre de sa vie, Tatoli, pour montrer encore un témoignage, il y a pas un missus bakoufa kapena masou des autres personnes qui étaient morts aussi dans le péché. Mais Zambé a kenda pe ko récupérer bakou. Mais le Seigneur était allé le répêcher dans une un bien trois. Amen. À partir avec ce 18e. Christ aussi a souffert, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. A souffert une fois pour les péchés. Christ paix, lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois wana verset 21 bien 3. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 filles sauvées à travers l'eau. Là, c'était pas la vie éternelle. C'était vraiment être sauvé dans la chair comme ça, mais par là. Sauvé par l'eau. Après cela, la vie avait continué.
Nous nous faisons bien comprendre. C'est pourquoi en prenant 1 Pierre 4, le verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé au monde. Afin que, après avoir été jugé comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Quant à la chair, on a mabélé. Il y a d'autres personnes comme ça, quant à la chair, il est mort dans le péché et Dieu l'a condamné, l'a jugé. C'est comme le roi Salomon, a confié, désordonné. Il est mort idolâtre. Il a bâti le temple de Kemosh, les hauts lieux de faux dieux. Parce qu'en ce temps-là, le ciel n'était pas encore ouvert. Jugé quant à la chair, il est à 100% maintenant. Mais quant à l'esprit, le Seigneur est allé le prêcher la bonne nouvelle. Là, c'était avant la venue de Christ. Cela ne veut pas dire aujourd'hui. Des morts et des péchés comme nous prêchent les prêtres et les curés catholiques, il y a le purgatoire. Là, ils sont des menteurs. Aujourd'hui, les lots sont beaucoup finis. Si tu meurs dans le péché, et si tu au bungi, c'est fini, tu te perds éternellement. Les lots aujourd'hui, et si c'est fini pour toi, frère. Pour les parfaits déjà y a dit. Parce que malasi, et si donc les parfaits, c'est lui qui est parfait. Là, où y a qu'au caper. Christ et Jésus. Christ et Jésus. Amen. Mais on va dire avant. Même si tu étais avant. Donc Jésus n'était pas encore accompli son œuvre. Il fallait qu'il les conçoit parmi. Il fallait qu'il aille aussi les récupérer là-bas. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voyons ceci. En ce qui concerne le cinquième saut, nous remarquons que les âmes qui sont citées dans le cinquième saut, ils sont des témoins. Je parle d'abord dans l'ensemble de la situation. Avant l'œuvre de la croix, il y a moins que mon salé pour nous, c'est Salima. Dès Natal ici, il y a d'abord Boye. Comme je viens de montrer. Maintenant, j'entre vraiment dans le fond. Que cinquième saut est le bela, bakoufi pour un témoignage. Le cinquième saut nous parle des âmes immolées à cause de leur témoignage. Maintenant, il faut y avoir d'abord. Maintenant, tu dois savoir ceci, bien-aimé. Zambépe, dans la zone, il sa parole. Le Seigneur aussi, en parlant de sa parole, a eu témoigné sa grandeur. Il est venu témoigner sa grandeur. Yamokomon a Jésus. C'est pourquoi tu vas remarquer le Christ de Jésus. Dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3. Ah, on a tout temps pour la d'abord un témoignage. Ici, je marche d'abord dans le témoignage. Que Dieu bénisse. Amen. Jésus est en train de s'entretenir avec Nicodème. Dans verset 11. Au verset 11. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Plusieurs personnes là. Esaïe 50 Esaïe 50 dit ceci.
Verset 4. Le verset 4. Noah. Batouana Pissou et Bélé. Tous les Esaïe 50. Nazu d'abord verset 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le Seigneur fait cette œuvre dans le ministère de la parole. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute. Comme écoute Télissi. L'olenge baye koli ebele bayo kaka. Baye koli ebele eza Moïse, Esaïe, Jérémie, Daniel, Babonionso, Baza, Badissi. Donc les disciples ici au pluriel, ce sont tout le prophète. Ils écoutent la parole du Seigneur. Et la porte au peuple de Dieu. Maintenant, si la prophétie parlait aussi du Christ. Jésus aya comme disciple. Yesu aya pelokola moye koli. Oui, il y a un la volonté. Donc c'est en ce sens-là qu'il est venu faire la volonté du Père, étant disciple. Alors le Fils ne fait rien. Moi, na asala patata. Il ne fait que ce qu'il voit faire chez le Père. Il faut tourner chez le Père là, et nous on chez le Père. Il faut poser aux gens la question, qu'est-ce que tu vois chez celui que tu appelles Père? Le Père les a tout ce qui est écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. T'as des c'est ce qu'il voit là, c'est ce qu'il fait. Pourquoi leur parle-t-il en parabole? Parce qu'il était écrit dans Esaïe. C'est ça, il ne fait rien. Donc c'est ça les pères. Amen. Alors, tous les prophètes, ce sont des disciples. Basakolinioso, Basali, Baïkoumi. Yamokotali, ça va l'église Boye. C'est pourquoi nous montrons ceci à l'église. Il faut que nous la connaissance aux Esaïe parfaite des Écritures. Il faut que nous ayons la connaissance parfaite des Saintes Écritures. Discipola ici la gâte. Les discipola ne s'arrêtent jamais. Si tu termines les discipola dans ta vie, tu commences maintenant à te noyer. Donc, maintenant, comme ministre, comme je deviens par exemple ministre, j'ai dit c'est fini, je n'apprendrai encore de personne. Alors, tu vas commencer maintenant à te noyer petit à petit. Comme je suis là, il faut apprendre auprès de notre ministre aussi. Il faut que j'apprenne aussi auprès de notre ministre. Lorsqu'il va s'élever pour prêcher la parole, et l'autre va prêcher, j'en bénéficierai. C'est comme ça qu'il travaille. Celui qui est parfait en tout n'existe pas. Si tu n'es pas armé par l'esprit du travail, c'est fini. Tu seras là pour s'accaparer. Je suis un grand homme. Tu seras très considéré des hommes. Mais Zamba va considérer autre. Mais le Seigneur ne va pas te considérer de son côté. Quand le Seigneur ne va plus te considérer, c'est-à-dire qu'il va retirer son onction. Tu travailles quelque part, mais force en Zamba. Mais il n'y a pas la force divine. Mais au moment on appelle parfois, on ne la paix pas. Et tu vas voir aussi parfois, tu achètes aussi l'avion. Et puis tu t'acquiers une société des avions. Mais le Seigneur a déjà retiré son onction de la prédication. Amen. Je n'ai pas de temps. Si tu rencontres un ministre qui te dit, n'a pas de temps.
commence à pleurer sur lui. Parce que l'œuvre est honorée. Parce que c'est l'œuvre pour laquelle il dit, je n'ai pas le temps. Donc, tant il y a les morceaux pour le ministère, l'œuvre de Dieu. La première préoccupation du ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Christ devait faire l'œuvre de son père. C'est pourquoi Christ était là pour accomplir l'œuvre de son père. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Azalaki un disciple. Azalaki moué koli. Comme les autres disciples. Donc, tant que Bazo Yoka, la voix du Seigneur, lorsqu'ils écoutent la voix du Seigneur, Bazan la langue exercée, ils avaient la langue exercée, Bazo Yébi sa au peuple, pour le dire au peuple, Bazalaki témoin na oyo, Bazalaki koyoka pe komona. Ils étaient témoins de ce qu'ils entendaient et voyaient. Maintenant Jésus a mis compte ici na rana bango. Maintenant Jésus aussi s'est rangé du côté de ses disciples. Parce que il est pas présent dans quatre champs. Parce que lui aussi il est présent dans ses champs des prophètes. Il est dans la prémisse à champs. Et celui qui est la chair de la prémisse. Il faut la considérer dans quatre. Il faut qu'il soit considéré là à l'intérieur. C'est pourquoi le dit nous disons. Bisso et Bélé Toloba. Donc Bisso Anna. Nous là, Moïse, Jérémie, Isaïe, Daniel, Abdias, Sophonie, Bathéi, prophète Union, tous ces prophètes, ils sont dans nous là, plusieurs. Et lui-même, Jésus-Christ. Comme il y a besoin de la prémisse, comme lui sera la chair de la prémisse, il y a pour justifier par mot. C'est lui qui va les justifier. Et tout ce qui reste. C'est pourquoi là-bas ils sont vêtus de robes blanches, ces hommes. C'est la venue du passage justifié. Et l'icône au bambou, basu, balomoli et tombou, l'icône au bambou. On va remarquer Jésus expliquant un mot à Balonengue et Béné n'a bien Jésus. Et Jésus l'avait expliqué de plusieurs manières dans sa vie. Dans un témoignage quand il y a Jean 5. Prenons seulement les témoignages de Jean 5. Et Zalaki n'a 5 portiques. Na piscine à Bethesda. Et ça là qui n'a pas soukoumi tano ou ensinga qui piscine à Bethesda. Donc on zone de ma paillote. Donc de paillote, de pavillon. Cinq portiques. Mitan. Et ça qui jour de la fête à ma juif. C'était le jour de la fête de juif. Bah toi malade, bah ça va faire dans la gata ma portique. Et les malades demeuraient sous le portique là, bien aimé. Voilà ça va dans Jean 5. C'est dans Jean 5. Au temps du verset 1, tu es dans le verset 13. À partir du verset 1er, tu es même dans le verset 13. Jusqu'au verset 13. Alors, l'ange descendait dans Maïwa. Moi, je suis là, c'est là qu'il y a une petite piscine. Quand la zèle descend, lorsque l'ange y descendait, celui qui s'est jeté le premier lorsque la piscine était agitée, c'est lui qui était guéri. Et d'autres restaient malades. Donc s'il est guéri, donc il abandonne les autres malades. Suivez attentivement. Motoupé est 38 ans. Azagotika la benaka malade. Et les paralytiques de 38 ans demeuraient aussi malades. L'ange de Sabbat, il ne descendait pas. Moi, je dois à la qui kokitate mon kola sabata. Pour bref, quand moi qui commande à tantam yabikaka, à mon dit à zota bonana li. Pour preuve, les jours de la guérison du paralytique, on l'a vu marcher avec les lits. Mais aujourd'hui, c'est le sabbat. Comment se fait-il que les gens. Les noms pour la sabbat, mais l'ange a travaillé pendant 6 jours. L'ange travaillait pendant 6 jours. Le 7e jour, c'était le repos. Et le 7e jour, c'était le repos. 6 jours, nous sommes dans le temps de la loi. Et ces 6 jours-là représentaient tout le temps de la loi. 5 portiques, nous sommes dans la loi. Et tous ces 5 portiques représentaient la loi. Les livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse. Et puis qui s'attend. Ces livres où Moïse n'avait pas guéri. Les gens qui étaient sous ces portiques qui représentaient Moïse étaient toujours malades. Pour que quelqu'un soit guéri, il
doit quitter la portique pour se jeter dans la piscine. Donc cela veut dire avoir grâce. Cela veut dire qu'il puisse recevoir la grâce. Donc il y renferme premier. Les signes du premier. Donc la prééminence. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le malade 38 ans qui nous raconte l'histoire. C'est lui qui descendait le premier dans la piscine. C'est lui qui était guéri. Donc il avait les signes de la prééminence. C'est lui qui était guéri. Donc parmi le peuple, il y avait aussi quelqu'un qui avait les signes de la prééminence. Et c'est lui qui était guéri. Amen. Ceux-là qui étaient sauvés, nous les voyons dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abel. C'est par la foi qu'Abraham. C'est par la foi que Moïse. Donc c'était le temps de la loi. Mais eux, ils étaient tirés pour être les premiers. Donc c'est comme s'ils ont reçu la foi. Par la foi. Ils ont laissé notre malade sous la loi. Amen. Mais en tant que premier, mais même s'ils ont pris la foi, par la foi, ils ne peuvent pas guérir les malades de 38 ans. Parce que vous avez 38 ans, parce que les malades de 38 étaient les signes d'Adam chassés depuis le jardin d'Eden. Amen. Ah. Où est-ce que nous les prenons? Le Seigneur a fait que Israël soit né dans Exode 12. Donc ils sont nés. Ils ont marché dans le désert. Arrivé du temps où Moïse écrit le livre de Nombre, c'était à la deuxième année. En lisant le verset premier de Nombre, chapitre premier. Lisant même Nombre 10. Les versets 11 à 13. On représente qu'ils étaient déjà à la deuxième année. Maintenant, Moïse a tindi bespion. Moïse a envoyé des espions pour les Cana. 12 espions. Les 12 espions. Dans Nombre 13. Là, c'est dans la deuxième année. Lorsqu'ils sont rentrés avec la nouvelle. Toujours dans Nombre 13. 10 va décourager personne. Et le Seigneur leur a dit. Tous ceux qui ont été dénombrés depuis l'âge de 20 ans au-dessus mourront, leurs cadavres tomberont dans les déserts. Comme vous avez exploré la terre de Cana pendant 40 jours et vous êtes rentrés, et je prends un jour comme une année. Là, le Seigneur l'avait dit au verset 34, il y a Nombre 14. Vous ferez 40 ans dans les déserts. Or, le Seigneur, en disant cette parole, ils avaient déjà fait 10 ans dans les déserts. Cela veut dire qu'il y a 38. Et ni Koloba. Vous faisons comprendre. Parce qu'ils étaient déjà la deuxième. Pour prouver cela, il faut prendre Deutéronome chapitre 2. Verset 13 à 14. Lisez le verset 13 à 14. Il dit. Les temps que dirait notre marche depuis Kadesh Barnea. Kadesh Barnea est un nombre
chapitre 13 à 14. Kadesh Barnea, c'est dans Nombre 13. Place Nzamba Sambisaka Bakwa. Et Nombre 14 où le Seigneur les avait jugés. Ah, 40 ans. Au passage des Torah des Zéreb, Nakokati sa Torah des Zéreb, fille de 38 ans. Et Zalaki a bafoula tout comme ça. Jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu au milieu du camp comme l'Éternel le leur avait juré. Kino tango ete et que kinyonso ya bato na bitumba et li moi qui na katikati ya libota lolenge nzambe a lapela ki bango ndayi. Donc tant wana. Donc ce temps là, il y a 38 ans. Les 38 ans qui ont. Nzambe appelle ça mon définition ni. Comment est-ce que le Seigneur l'avait défini? Nombre 14. Nombre chapitre 14. Verset 34. Il y a une définition en temps en alliance. Écoute la définition de tous les temps là des 38. Nombre 14, verset 34. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, le lege moko bosala ki mikolo tuku minei po na koyeba mboka, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Bino boko mema etumbu ya bambeba na bino bavula tuku minei. Une année pour chaque jour. Vula moko po na mokolo moko. Yohanes Zambazo définit 38 jours. Écoute comment le Seigneur définit 38. Et vous saurez c'est que d'être privé de ma présence. Or, le Seigneur n'avait pas abandonné Israël. Mais il appelle toute cette étape privé de sa présence. Donc, Kozani Samanisusu. Donc sa présence s'explique à la grâce qu'il devait leur accorder. Mais comme il a maintenant la colère, il faut qu'il commence à les châtier. C'est quand même privé de sa présence. Là, il dit Azalisi Bako Bozalisa Minaye Nzambe. Tout ce temps de 38 ans, mon père. C'était l'épée de l'Éternel était hors de son fourreau. Le Seigneur tuait sérieusement les enfants d'Israël. Et donc, jusqu'à ce qu'il puisse exterminer tous les hommes de guerre. Et les Moïse allaient mépriser qui parlent la promesse. Ce signe-là s'est accompli parce qu'ils avaient méprisé la parole de la promesse. Vous suivez attentivement. Le fait qu'ils avaient méprisé la parole de la promesse, le Seigneur les a jugés pour 38 ans. Pour la tout comme ça. Et le Boana a 38 ans et d'aller s'alolenge totika jardin. Ce signe-là de 38 ans montre tous les temps pendant lesquels on avait abandonné les jardins. Parce que ma chiffre ne sera significatif dans la Bible. Parce que tous les chiffres dans la Bible ont un sens. 38 était l'Isaka errance. Les chiffres ou le nombre 38 représente l'errance. Donc manquer la maison. Donc au sanga ndako ya kufanda. Parce que ndako Adam ezaki jardin d'Eden. Parce que la maison d'Adam c'était le jardin d'Eden. Dans la tour c'était Zamba Bengani ya komi kibanda. Lorsqu'il a désobéi, le Seigneur l'a chassé hors de la maison. Oyeba ka Jésus bona ninga ya ka kosokola bato makolo. Vous savez pourquoi Jésus était venu laver les pieds des disciples? C'était pour confirmer que c'est lui qui avait chassé Adam au commencement. Et c'est lui qui va exercer l'hospitalité envers Adam. C'est lui qui doit laver aussi ses pieds. Et comme les jardins le Seigneur l'avait répété en forme de la terre de Cana. Quand Israël a l'équipe mer rouge, lorsque Israël a passé l'Égypte, ou le Makolata a monté mon côté israélite pour la maille. Les pieds d'aucun israélite n'étaient mouillés de l'eau de la mer rouge. Mais nous, quand la base à mon côté a mené mais comme ils sont entrés dans la maison qui est en train de lavage à pied, il fallait qu'il y ait le lavage de pieds. Il y a un bon papier, va sacrificateur les oies maille dans Jourdain. C'est pourquoi les pieds des sacrificateurs étaient par le sort du jour. Parce que ma pierre, ma sacrificateur, ma sacrificateur, ma tête du peuple.
Parce que les sacrificateurs sont comme la tête du peuple d'Israël. La journée, c'est comme une porte. Et dans le journée, c'était comme une porte. Si tu exerces l'hospitalité envers une personne, tu dois les laver les pieds afin qu'il entre à la maison. Abraham avait donné de l'eau à Dieu afin qu'il lave ses pieds. Et de la même manière, l'autre aussi qui avait reçu les anges. C'était les signes de l'hospitalité. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre à la préoccupation du frère sur le repas du Seigneur, la Sainte-Cène. Mais résonne pas ce qu'on nous classons prophétiquement. Le Seigneur c'est le Seigneur qui nous avait reçus dans sa maison. Donc, Eli Koloba, cela veut dire, Bazalaki n'a mis Telegano 38 ans. Ils étaient dans l'errance pendant 38 ans. Mais c'est vrai qu'ils sont en table. Mais il fallait qu'ils puissent retourner dans leur maison. C'est pourquoi les sacrificateurs avaient lavé ou mouillé leurs pieds dans le Jourdain. 38 ans, y a monsieur Wana. 38 ans de ce monsieur là paralytique. Et il s'en a mis son nom sur le dos. Kaka, jardin d'Eden. Représente Adam. Tous ceux qui avaient abandonné les jardins d'Eden en Adam le premier. Il fallait fleuve via soleil. Il fallait que vienne le véritable fleuve. Fleuve via vie. Le fleuve de vie. Yes, Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ. La parole de Dieu. Il nous bat ensemble. D'autres se jetaient dans la piscine en ce temps-là. Mais sans fin. Mais cet eau-là qui était venu là n'avait pas Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse. Zabé à Pamolabino. La parole des Anakesikaoyo, l'homme a 38 ans côté qui pratique. La parole, c'était là où l'homme de 38 ans était entré pour être guéri. Amen. C'est ce que j'ai dit que le Seigneur a l'obé la mon abba forme. C'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur l'en avait parlé dans plusieurs temps. Même pendant le temps de sa maladie qui avait quelques bateaux à Kobikis. Le Seigneur avait quelques personnes qu'il sauvait. Ceux-là qui sortaient sous les pavillons, le portique pour se jeter. Ce sont ceux-là que nous voyons dans Hébreux 11. On les a comptés comme ceux-là qui avaient la foi. Ce sont deux dont le tombeau était ouvert. Et tant que Christ a séduit, et lorsque Christ est ressuscité, ils sont sortis de leur sépulcre. Pour montrer que le Seigneur les a justifiés afin qu'ils portent des robes blanches. Témoins. Ils sont les signes des témoins. Vous savez la malade? Amen. Témoins. Ils sont les signes de témoins. Déjà, Nathalie Sakiyo. Déjà, je t'avais montré, bien-aimé. Makila Nio se sopana na mabele. Tous les sangs qui furent versés sur la terre. Zambatana amona Babylone. Le Seigneur l'impute sur Babylone la grande. Parce qu'à ce moment-là, serpent, on a comme ça la mosala. Parce que le serpent qui travaillait, il est là-bas dans Babylone la grande. Et Babylone la grande a séduit toute la terre, les habitants de la terre. Et Babylone la grande a séduit tous les habitants de la terre. C'est pourquoi tu vas voir, bien-aimé, que les âmes, Babylema, ils ont saint la vengeance, Nicolas, habitants de la terre. Demande la vengeance sur les habitants de la terre. Oh, nazo bamboka. Petit à petit. Je le dis seulement parce que j'entends déjà petit à petit le fond. Et loko simba malamu ezali, c'est que tu dois bien saisir que ce sont des témoins. Donc ces âmes là sont des témoins. Témoins, ce sont des prophètes. Et ces témoins sont des prophètes. Tomoni bambona Jean 3. Nous les avons vus dans Jean 3. Nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage. Nous rendons témoignage. Et ce que nous avons vu.
Et vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà. Place où on a au monde. Au monde, t'as besoin que Jean 3 t'entende qui? En prenant seulement Jean 3 qu'on avait lu au début. Témoignage. Témoignage. On a battu tous les prophètes. Et là, on cite tout le prophète. Maintenant, au monde, dans Matthieu 23. Maintenant, dans Matthieu 23, verset 37. Le verset 37. Christ a dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, Yobo Makabasa. Qui lapide ceux qui te sont envoyés. Yobo Makanamabanga Batinda Milayo. Vous êtes là, madame? Amen. Donc, on avait tué les prophètes. Donc, Jérusalem avait tué les prophètes. Par Jérusalem. Jérusalem. Mais le Seigneur a jugé à Jérusalem. Mais le Seigneur juge Jérusalem. Quand tu as utilisé verge. En utilisant la verge. Lorsque la Vierge est d'affronter, si la Vierge termine son œuvre, maintenant Dieu de son œuvre, il viendra venger toutes choses. Il va frapper la Vierge qui frappait Jérusalem. C'est pourquoi si tu es sorcier, je te donne un conseil. Tu viens ensorceler ou envoûter un fils de Dieu. Au monique, tu sens Aza protégé de qu'il n'est pas protégé dans ton mystère. Que baba piégé dans un. Prends garde, fais attention, tu es piégé. Donc oui, tu viens de faire dans la sorcellerie pour envoûter. On s'en dit qu'Aza protégé de couloir des gens. Tu sens vraiment qu'il n'a pas de sécurité. Couleur est vide. Donc tu peux faire n'importe quoi sur sa vie. Fais attention. Son rédempteur est vivant. Azoluka, il cherche à péter au macas. Comment te frapper durement? Quand on s'attaque à Batou Moussou, au bazar de maman d'embêté. Lorsque tu as un problème, à ceux-là qui n'ont pas de ce n'est pas un problème. Mais on y a un bazar priné, il y a un. Maintenant, fils de Dieu, c'est la prière de Dieu. Infraction. Le Seigneur fait te créer une infraction. Maintenant, il fait comme si tu laisses le couloir. On s'en dit qu'on va toucher la maladie. Tu sais vraiment que tu peux les toucher par la maladie. On va s'en dire qu'il n'y a pas de problème. Tu peux faire n'importe quoi, bloquer ses activités. Mais son rédempteur est vivant. Quel homme aussi connaît dans un bon moyen. On a touché à Kamana. C'est lui qui touche un fils de Dieu. Il a touché la prunelle de Dieu. Assis par Kamana, il est sourd. Le Seigneur ne te laissera pas impuni. À mon petit côté. Le Seigneur ne te laissera pas impuni. Le Seigneur est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Donc d'abord, tu dois savoir. Ce sont des témoins qui sont dans les cinquièmes eaux. Ce sont des prophètes. Avant. Ceux-là qui étaient avant. Avant Christ. Avant Christ Jésus. Ils ont la robe blanche. Parce que le Seigneur a guéri ça, la foi. Ça valait la peine parce que le Seigneur les avait guéris en leur donnant la foi. Nous faisons bien comprendre. Mais maintenant, Balobi, maintenant on dit, avant c'est la salité. Ils ne demandent pas le salut de leurs âmes. Abika déjà. Non, ils étaient déjà sauvés. Maintenant, ils demandent le temps auquel ils seront vengés. Et ça, Balobi, ce n'est pas un problème de salut là-bas. Il demande le temps de la vengeance de leurs âmes. Maintenant Dieu dit, faut pas compléter nombre nabido. Il faut que votre nombre soit complété. Ma compagnon nabido service misusu. Votre compagnon de service. Ma kobuma bango lokola maboma bino. On va le tuer comme on avait fait avec vous. Amen. Et ma petit aussi. Ma frère. Et on va tuer aussi vos frères. Ma compagnon, et ces compagnons-là qu'on va tuer. Ils ont des oeufs. Ce sont les deux témoins. Pour ma compléter nombre. Pour compléter les nombres des âmes sous l'autel. Amen. Et on va mettre mon compagnon. Baninda Yamusala. Et leurs frères aussi. Bien
sont les 144 000 à Israël. Parce que maintenant ils aussi un signe, un serviteur de Dieu. On les a appelés aussi les serviteurs de Dieu. Bah, vous allez mis à mort aussi comme vous à cause du témoignage de la parole. Ils seront mis à mort comme eux à cause du témoignage de la parole. Vous en avez les amis. Vous suivez attentivement. Après Owan, Nasimawan, les amis à quoi venger. Le Seigneur viendra venger maintenant leur sang. C'est pourquoi en vengeant. Il est écrit que Dieu a vu le sang des prophètes dans Babylone. Le sang des apôtres. Amen. Oh, lorsqu'on avait tué les apôtres, l'église appelée Babylone n'avait pas encore débuté. Parce que combo ya Bible na catholique, combo catholique na Bible est de Babylone. Ouais, parce que le nom de l'église catholique dans la Bible c'est Babylone la grande. C'est connu dans l'histoire. Et yebana na makambo eleka. Les catholiques ont organisé la croisade. Que l'église catholique a organisé des croisades. Aux une position na été au subir la mort. Si tu ne adoptes pas sa position, tu subiras la peine de mort. Définissant catholique était une église universelle. Donc batunyo so bas. Faut pas tanguer manakat. Catholique, église y a batonios. Maintenant, par contre, ça la conquête. Mais non, elle faisait la conquête. Vous devez effacer. Vous ne pouvez pas l'effacer. Parce que la Bible le dit là. Parce que la Bible en avait déjà parlé. Que cette prostituée a dans la maquille à basse belle. Que on a trouvé dans cette prostituée le sang de beaucoup de sang. Aza aussi dans la maquille à juif et aussi le sang des enfants d'Israël. Amen. Et ce sont des choses que nous avons prophétisé les colonnes. Ce sont des choses que le Seigneur a prophétisé là-dessus. Yo garde position à parole. Toi, garde seulement la position de la parole. Témoignez la parole. Témoigne la parole. Ce qui l'enseignement est en cicaté, c'est la mort. Si l'enseignement n'a pas de place, c'est la mort, bien-aimé. Et toi qui as reçu la grâce d'écouter l'enseignement, garde l'enseignement jalousement dans ta vie. Aujourd'hui, sentir une faiblesse dans la vie. Tu sens la faiblesse dans ta vie, tu n'y parviens pas. Trouve les serviteurs de Dieu pour intercéder. Nous allons la fermeté. Ne sois pas fermé dans ta tour d'ivoire. Les serviteurs ne sont pas tes camarades pour parler de la politique. Non. Tu rencontres un serviteur. Profite dans la prière. Profite dans la prière. Il a la grâce que le Seigneur a mis en lui en tant que serviteur. De libérer les captifs. C'est Dieu. En lui. Il ne faut pas prendre cela comme une blague. Si tu considères un serviteur comme un serviteur, le Seigneur va te bénir dans toutes les paroles qu'il mettra en lui. Je te dis vrai. Le Seigneur, le Seigneur avait dit, na foi na yo de obidi. C'est par ta foi que tu es sûr, tu es sauvé ou tu seras sauvé. N'est-ce pas considérer prière à Bassan? La manière dont tu considères la prière des hommes. N'est-ce pas considérer les hommes de Dieu? Comme tu considères les hommes de Dieu, le Seigneur va répondre au Congo. Le Seigneur te répondra seulement de cette manière-là. Nous sommes au monde, nous sommes des banins, nous sommes pas comme tes camarades. Parce que nous sommes au monde, nous sommes dans l'équipe, et d'autres tu les vois comme tes petits frères. C'est très dangereux. Et ça, Benza, très dangereux. Ma tata, on va rater ma bénédiction. Et dans ce tu vas rater beaucoup de bénédictions. N'ayez jamais mettre à part. Comme le Seigneur l'a sanctifié, l'a mis à part. Bonzam de bonne solution na yo isawana. Il y a les choses de Dieu là pour les solutions de tes problèmes. C'est pourquoi faut être ouvert. C'est pourquoi tu dois être ouvert aux serviteurs de Dieu. Vous en avez facilité à vous là. Avoir la facilité de parler avec eux. Il y a beaucoup de monde à m'attendre. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens. Azumwa mon, ils gagnent l'argent. Mon salaire va être. Les ministres ne les sauront pas. Les pasteurs apprendront seulement lorsque ces activités tombent. À côté d'une affaire, il
était entré dans les affaires. Affaires. Les affaires sont tombées. Sibité. Maintenant, il a besoin du pasteur. Tu commets une grave erreur. Commence avec Dieu. Et le Seigneur va protéger tes activités. Que Dieu te bénisse. Et que vraiment la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que vraiment la grâce du Seigneur soit sur toi. Et le Seigneur te garde et te fasse beaucoup de bien. Et le Seigneur t'ouvre aussi le bon chemin. Seigneur, je sais que vous allez en bon moment. Seigneur, je sais que tu es le Dieu vivant. Nazali contente la combo na yo parce que vous allez en beaucoup cananio. Je témoigne ton nom parce que tu es le Dieu parfait en tout. Oya qui malade, yo zara guérison. Que celui qui était venu malade soit sa guérison. Même moi, tika qui m'ont malade, et même mamie t'amène n'est pas courte pour sauver. Même celui qui avait laissé un malade à la maison, le bon connaît sa vie, mon conseil que pour la comique. Mi ton oreille dire pour longtemps. Adoye na yo pe ma comité pour la coyoka. Seigneur de grâce, de paix et de miséricorde. Yahweh na mawanango. Pardonne nos fautes. Ibi samami na biso. Sa la grâce pour nous encore mon conseil. Sa grâce pour tout un chacun de nous. Et si quand mon oiseau a solution à l'écran, là où le bien-aimé cherche la solution à son problème, il y a des solutions. C'est toi la solution. Éclairez Jésus-Christ. Éclaire-le Jésus-Christ. Et quand mon a solution, pas tape la malade, la solution et qu'il marche dans le chemin. Oh, celui qui avait perdu l'argent dans ses activités. Restauré. Restaure-le. Tu es le Dieu qui, lorsque Job avait perdu tous ses biens, qui au double. Tu lui avais retourné au double. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, nous venons encore le mieux, les calélopés, les délais. C'est quoi les rélever dans sa vie? Dans les œuvres. Malheureusement, ce bazar va contrarier quand il est au sommet. Toutes les paroles qui sont prononcées contre lui, enfin qui n'est pas clair. Pour annuler au nom de Jésus-Christ. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Ah, ça l'a béni, malédiction au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction soit ôtée au nom de Jésus. Yahweh, et comme ami, nous t'a prospéré, l'olégué âme nous prospéré. Et que nous puissions prospérer comme l'état de notre âme. Ça la grâce pour ton affaire. Sois grâce pour celui qui est fait. Ah, sois ma casse à consoler d'ailleurs. Et reçois ma force de te servir. À ton nom, Jésus-Christ. La couronne de Jésus-Christ de sa vie. Seigneur, suffisant complet. Comment est-ce qu'on a dit ça? Comment est-ce qu'on a dit ça? Tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout. Dans le nom de Jésus-Christ. La couronne de Jésus-Christ. Le nom de notre proche parent. Comment il y a des colombies? Le nom de notre rédacteur. Comment il y a aussi comme un bisou? Amen. Amen.